Avec ses amis, il aimait passer du temps autour d'un bon verre et partager un bon repas.
Ses amis qui connaissaient des moments difficiles, il était toujours présent pour les aider et trouver des solutions à leurs problèmes. Il était l'ami idéal. Papa, ces dernières années n'ont pas été faciles pour toi. Ta santé n'a pas toujours été au beau fixe. Nous t'avons vu te battre et t'accrocher pour surmonter les épreuves que t'imposait ton corps. Nous t'avons accompagné ces derniers mois dans ta maladie. Mais celle-ci a eu raison de toi. Et aujourd'hui, elle nous prive de ta présence. Nous, tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, belles-filles et beaux-fils, rassemblés autour de ta dépouille, nous te remercions pour cette vie que tu nous as offerte. Nous te remercions pour les moments de bonheur et de gloire, de joie partagée ensemble. Nous te remercions pour tous les sacrifices que tu as endurés pour faire de nous les personnes que nous sommes devenues aujourd'hui. Tu as toujours su nous garder unis, car c'était important pour toi. Tes beaux-fils, tes belles-filles, pour qui tu avais beaucoup d'affection, tu les as toujours considérés comme tes enfants. Et ils te le rendaient aussi. Tu as accompli ton devoir d'époux, de père, de grand-père, d'arrière-grand-père et de beau-père. Tu laisses derrière toi tout un plan qui perpétuera ta mémoire et sera de son mieux pour rester unis. Ton combat est à présent chez nous. Va et repose en paix. Tu m'as répondu moi aussi. Ta réponse
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre fils, il a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Puisque c'est Dieu qui justifie, qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort, lui sans mort, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le supplice? Non, car en tout cela, nous sommes des grands vainqueurs grâce à celui qui nous a bénis. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les atouts, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous ne savons même pas où il va. Comment pourrions-nous savoir le chemin?
Et Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Vivez en paix.
Et à un moment donné ou à un autre, vous pensez que vous allez abandonner le deuil et que vous n'aurez rien que tous les souvenirs que vous avez construits ensemble, ainsi que cette grande famille. Voilà, je vous souhaite à vous un bon courage, et à vos enfants aussi, petits-enfants, et puis à vos petits-enfants, parce que j'ai bien entendu tout. C'est important. C'est important. Donc nous allons prendre un petit moment de silence, et puis nous allons méditer ce que je vous ai dit, et puis surtout la parole de Dieu, qui avait son importance dans le texte que nous avons choisi, et puis dans l'Évangile aussi. Donc c'est important, un petit temps de méditation, juste une ou deux minutes, et puis après nous nous lèverons et nous écouterons la prière universelle. La prière universelle, elle est divisée en trois parties. La première partie sera uniquement pour Maurice. La deuxième pour toutes les personnes qui sont en deuil à travers le monde, parce qu'on n'est pas les seuls à être en deuil aujourd'hui. Et puis, à la fin, pour tous ceux qui sont ici rassemblés, pour tous, et puis ceux qui n'ont pas pu venir, on va penser à vous aussi.
nous atteignons le moment où nous allons dire adieu à Christ. Nous allons nous séparer de notre frère, de notre père, de notre recueillons-nous en pensant à ce que nous avons vécu avec Moïse, à ce qu'il est pour chacun d'entre nous et à ce qu'il est pour Dieu. Pendant le temps qui va suivre, il y aura la bénédiction de l'or et l'encensement. Pendant ce temps-là, vous allez faire vos prières silencieuses, intérieures, de ce que vous avez vécu de meilleur à vous. Faites-en souvenir en vous et priez pendant ces bénédictions et ces encensements. Priez-le. Nous croyons et nous espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je vais bénir le corps de Moïse, qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse, nous bénissons ton corps en souvenir de cette eau que tu as reçue le jour de ton baptême. Que cette bassin accompagne ton âme vers la maison du Seigneur pour qu'il t'ouvre la porte de son ciel. Dieu de miséricorde, sois attentif à nos prières.
d'aide à ouvrir nos vies les portes du paradis, et accorde-nous sur cette terre de savoir nous réconforter les uns les autres par des paroles remplies de foi, jusqu'au jour où nous irons à la rencontre du Christ pour être éternellement auprès de toi avec Maurice. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es le chrétien, un Père qui aime pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute quand nous t'invoquons pour Maurice, notre papa, ton père, notre parent, ton père, notre ami. Par Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Thank you.
tu veux dire, je sur le côté. Papa. Tu vas sur le côté. Restez encore calme un petit peu. S'il vous plaît, approchez-vous la famille. Soutenez la maman. Non, un peu de silence et écoutez, s'il vous plaît. Mimi, tu sais la volonté de Dieu, tu sais la volonté de Dieu, tu sais la volonté de Dieu, c'est pas ta volonté. Mimi, fais attention à toi. Seigneur Jésus, tu accompagnes maintenant Maurice vers sa dernière demeure. Tous tes enfants, ton épouse, pourra venir te voir quand tu voudras et quand tu les appelleras. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accompagne et qu'il te reçoive dans son, dans sa maison au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames, messieurs, on va regagner nos véhicules. Tu as mon téléphone et tu m'appelles. Je ne te dirai jamais non. Et souvenez-la bien. Donc, tu as la cimetière dans un direct à faire. Moi, ils m'ont dit de venir à Tanger. Je connais pas le...
sans moi, ça les prières, les de messe. À gauche, oui, je vois là-bas. Bon, ça allait tout droit. Non, ils sont allés tout droit. Oh, Nissan One est qui à gauche? C'est ici. Non, ah, ouais, c'est juste. T'as aussi maman Kazana qui? Nous amons sanctuer,
Nous avons sanctué, nous avons tout dit, oui. Nous avons sanctué, 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 nous l'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour le pêcheur. Maroua Bakoué Koba n'a pas été dans le monde, mais a appelé comme il est. L'Iwa est côté aux humains qui ont été naillés, et ils ont mis cité. Oh l'Iwa, et il y a ma condité, et il y a mis ses mamies. Oh l'Iwa, écoute à tola. Kaya bomo ina motu, oh oh liwa, epo bataka, basi kile nyonso ye, suka ya bomo ina motu, yango bali sakate, soki moto na nakupite, oh to yebite, basi kile nyonso ye kobima, yango balo balo bakate, soki moto na nakupite. Oh, to yebite, parce que les miens sont égoïma. Oh, liwa, eye bi mbongote, eye bi ba pokwete, eye bi ba balanite. Et j'ai là qui n'a pas mon côté puissant sur la terre. J'ai là qui n'a mon anaye l'inga qui mingi. Kombo na ezakire soleil. Alika qui était ce qui a koufi. Il fallait moi na oya ingila na bokunzi na ye. Mokolo moko balali pe balamuki. A moi na oya koufi. Oliwa, et bise ma be. Toki liwa e baki mpongwe. Te ba wapa koufa kate. Ba riche ba koufa kate o. Te ba kondi ba koufa kate. Soki liwa e baki mpongwe. Hey, ye bi koli bisate. Hey, ye bi hela kate. Hey, ye bi sembe. Hey, ye bi sembe. Sokiri wa eba ki minuke. De baso na ba kufa kante kolo. De ba kufa kate. Sokiri wa eba ki masanwe. De ba kama sano ba kufa. Papa, oh, 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 oh
liwaye yango ni satana tamanyo tamanyo liwaye heye bi miziki te soki liwaye baki miziki leka mongo mba ya kupa kite ya wili ndonda kupa kite o ndeba mizi seba kupa kate o soki liwaye baki kote ya ye neina usa kupa kite haye dina bala kupa kite o ndeba te iba kupa kate pandeko
Mesdames, messieurs, je vais me permettre de dire un petit mot si vous voulez bien. Il y a peu de temps encore, nous étions près de toi, Maurice. Nous le sommes encore aujourd'hui. Mais c'est la dernière fois. Nous avions tant de choses à voir, tant de choses à partager. Et pourtant, tu es parti. Tu es parti sans nous laisser le temps de te dire à quel point nous t'aimons. Mais nous ne prenons jamais ce temps. Aujourd'hui, nous sommes réunis, car nous l'avons pris ce temps. C'est notre manière à nous de te dire, Maurice, que tu vas nous manquer énormément. Oui, demain, nous reprendrons la vie telle qu'elle vient. Mais toi, toi pour qui demain ne sera rien, tu nous regarderas et tu nous souriras. Je vais inviter mes collègues et moi-même à procéder à l'inhumation de Maurice pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Et ensuite, j'inviterai la famille, amis, voisins, à se passer chacun son tour en faisant le geste qui conviendra pour lui dire au revoir, mais pas adieu. Comme je vous le disais, il est toujours là et il le restera éternellement dans vos cœurs. Merci. Seigneur.
Il nous a donné un père. Il est parti dans le calme. Laissons-le partir aussi dans le calme. Mimi Morissette. Mimi Morissette. Bon, il n'y a pas la batterie. Voilà. Là, on va laisser Mimi, papa aller. Laissons papa. Papa. Et papa va dans le repos. On va se mettre sur le côté, si vous voulez bien. Papa. On va se mettre sur le côté, si vous voulez bien. Dieu, en ces lieux et dans cette circonstance difficile, nous venons à toi pour te rendre honneur et gloire, pour te dire toute notre reconnaissance. Toi qui as donné à la terre, toi qui as donné à cette humanité, Papa Maurice Tambokitenge, et tu le reprends à toi. Honneur soit rendu à toi, gloire à toi, le maître de l'univers et des temps. Laisse que nous puissions, Seigneur, te dire merci pour l'œuvre qu'il a accomplie ici-bas sur la terre. Maintenant, Papa Kitenge a signé devant toi, devant l'Église, devant tes serviteurs et tes servantes, qu'il sera uni à Maman Mboula pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. En ce jour, la mort les a séparés. Il a tenu son alliance jusqu'au bout. Maman Mboula a tenu cette alliance jusqu'au bout. Et aujourd'hui, cette alliance tombe par la mort. Nous déclarons cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.
Va en paix, repose dans la grâce et dans les entres de la terre. À la terre, nous rendons ce qui est à la terre, à Dieu ce qui est à Dieu. Que ton âme repose en paix. Amen. La fin de l'émission, c'était. Vous les ressentez? Arrivé en retard et c'était une tombe non identifiable. Hein. J'avais vraiment souligné que la plaque y soit et que ça soit posé. Oui. Je connais, à chaque fois c'est la